Lady Diana n'a jamais aimé Camilla Parker Bowles, même au moment de ses fiançailles avec le prince Charles. Avant que Camilla devienne sa maîtresse, Lady Di était déjà jalouse maladive. Lors d'un dîner entre les deux femmes, elle a commencé à se méfier fortement. Avec du recul, elle était convaincue que Camilla avait un plan machiavélique, écrit Penny Junor dans la biographie de Camilla. À partir de ce moment-là, les deux femmes se sont menées une bataille sans merci. Et Lady Di a commencé à sentir son couple et sa personne réellement menacée par Camille Parker Bowles. Elle est soudainement devenue d'humeur changeante, obstinée et imprévisible. Elle avait des accès de colère suivis de crises de larmes proches de l'hystérie, sans raison apparente. Point. Elle était obsédée par Camilla, continue l'auteur. À l'époque, Lady Di est allée jusqu'à faire des menaces à sa rivale. Au début des années 90, vers 2h du matin, Camilla reçoit un coup de fil. Immédiatement, elle s'inquiète pour ses deux enfants, sortis de la maison. Elle décroche alors pour entendre un avertissement bien effrayant. « J'ai envoyé des gens pour te tuer », lui dit alors une voix féminine. « Ils sont là, dans ton jardin. Regarde dehors, tu peux les voir ?» rapporte Penny Junor, en expliquant que c'était simplement un nouvel accès de colère de Lady Di.